shut up. Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter la classe qui me semble être relativement méta actuellement sur Warzone et notamment sur la map Rebirth Island Résurgence avec donc deux armes, une pour le corps à corps donc qui est pas une SMG mais qui est un fusil à pompe qui est le Galo SA-12 et qui fait vachement mal je trouve, et une pour mid-distance et longue distance qui est la QBZ. Et la QBZ en fait, comme les Krixis, elle bouge pas, mais encore moins que les Krixis en fait. Alors elle a un peu moins de dégâts c'est vrai, mais au final, qu'est-ce qui vaut mieux? Une arme qui a beaucoup de dégâts mais qui bouge énormément, ou une arme qui a peu de dégâts mais qui bouge pas, et du coup vous mettez toutes vos balles. Et donc clairement le time to kill il est concret, parce que si vous prenez le time to kill d'une arme qui a beaucoup de dégâts, forcément vous allez tuer en 300-400 millisecondes, mais si vous touchez pas vos balles, au final ça va vite être augmenté et ça a rien de concret. Donc, moi franchement, cette classe là, c'est difficile de perdre un fight quand vous visez en même temps et que vous tirez en même temps avec une autre personne, puisque franchement c'est les armes qui sont... Le Galo SA-12 au corps à corps, il a des dégâts qui sont incroyables. Donc en termes de classe, moi j'utilise le choc de l'agence, donc c'est en gros le silencieux agency, hein, c'est celui qui permet d'augmenter la portée des dégâts, ce qui est important quand même avec le fusil à pompe parce qu'il a une portée des dégâts qui est assez réduite de base, hein, et puis la vitesse des balles. Après le meilleur canon pour moi c'est le lourd renforcé 21.4 parce qu'il permet d'augmenter surtout la cadence de tir. J'utilise le pointeur Amber, c'est en gros l'équivalent du laser 5 mW, c'est la même chose mais en mieux, puisqu'il permet d'augmenter la pression de tir au jet et la portée des dégâts. J'utilise le pad cross, c'est ce qui permet d'avoir le plus de mobilité quand on regarde bien dans toutes les crosses, et c'est important avec ce fusil à pompe. Et les 12 cartouches parce que ça part vite. Clairement, le désavantage du fusil à pompe, de celui-là en tout cas, c'est que vous pouvez prendre deux fights, enfin deux ennemis. S'ils sont assez proches, en 2-3 balles ils sont à terre. Le troisième ça va être un peu compliqué, vous risquez de manquer de balles. En tout cas pour les finir, vous devrez utiliser une autre arme. Donc sur les Rebirth Island, c'est quand même des situations qui sont assez fréquentes. Mais franchement par contre, si vous commencez à tirer en même temps, vous gagnez tout de suite. Donc ça, c'est méta en termes de courte distance. Et en termes de moyenne et longue distance, bah, la QBZ, parce que la QBZ elle bouge pas d'un poil. Elle bouge pas d'un poil, donc même si c'est en termes de dégâts c'est pas ce qu'il y a de mieux, comme elle bouge pas d'un poil, vous êtes quasiment sûr de toucher toutes vos balles. Donc moi en fait du coup comme elle bouge pas, bah, j'utilise pas de poignée avant, j'utilise pas d'accessoire canon. J'utilise le silencieux agency, donc toujours pareil, portée des dégâts, vitesse des balles, puisque ça va servir quand même pour le combat longue distance. Le meilleur canon qui est le dernier, qui permet de faire la même chose, plus d'avoir un peu plus de mobilité. Et de contrôler les reculs aussi. Le x3. Le chargeur 60 cartouches, le normal pour pas impacter la vitesse de visée. Et puis, du coup, comme j'utilise pas de poignée avant, j'utilise la dernière crosse, la Cross Rider, qui est la meilleure crosse pour les fusils d'assaut, hein, qui permet d'augmenter le temps de transition du sprint au tir et les vitesses de déplacement, que ce soit en visant ou en marchant. Donc voilà, franchement, cette classe, elle est pas mal du tout. Je vous mets deux petits gameplays, deux victoires sur Rebirth Island. Profitez-en bien. Ciao, ciao tout le monde. Let's get ready to rumble. Ouais. Merde, y'a un mec avec moi. Je suis con, je le vois pas depuis tout à l'heure. Allez, je vous baise. Toi si je vais te baiser, regarde. Paf. Je te baise. Il faut qu'on fasse gaffe, il y a des mecs à côté. En fait, on pourrait quasiment s'acheter les classes. Ça va être gueule de ton télé. Oh, je l'avais pas vu lui.
lag. T'as plus de champ? J'ai un masque à gaz, mais c'est pour ça que je fais ça. Hein. Ouais, mais. Ils sont sur le toit. Un crack. Oh putain. Oh, ah, derrière nous, derrière nous. Ah, oh, derrière, derrière. Ok. Ils sont fait du gaz. Sur ma gauche. Allez, let's go! Je joue, bon. Bien joué, ouais. Cible marquée, faites tout péter. Perdez du terrain. Aucune cible n'a été touchée. Attention, dans la zone de sécurité, bombardement vite. De précision en approche.
l'homme. Ennemi. Attention, bombardement de précision en approche. Tirez dessus!